suis Jean-Pierre Bernard, conseiller du commerce extérieur, section Singapour. Je suis ici à Singapour depuis 8 ans et c'est mon deuxième séjour. J'ai été ici également pendant 5 ans, il y a plus de 25 ans, et donc je commence à bien connaître la région. Je suis responsable pour l'Asie du Sud-Est et pour l'ASEAN en fait de BNP Paribas. BNP Paribas ici, c'est une grosse plateforme, environ 1700 personnes, qui fait essentiellement de la banque d'affaires, de la banque commerciale et d'investissement, et de la banque privée. Alors on a une plateforme qui est multiproduit, donc on peut en fait répondre à tous les besoins, qu'ils soient de financement, qu'ils soient de marché de capitaux, de couverture de change, d'ouverture de taux, de financement de projets, de financement de commodities, de financement d'aviation, crédit export, de crédit shipping, trade finance. On est en mesure d'y répondre. Donc je suis conseiller de commerce extérieur, j'ai été nommé la première fois en 1994, j'étais à l'époque aux USA. Être conseiller du commerce extérieur, ça veut dire plusieurs choses qui sont différentes selon les pays où on se trouve. Un exemple, j'ai été amené il y a plus de 25 ans à aller au Vietnam pour démarcher les autorités, pour réouvrir notre implantation à Hanoï et Ho Chi Minh. Et il n'y avait rien, il n'y avait aucune structure d'accueil à l'époque. Et j'étais donc très aidé par un conseiller du commerce extérieur qui représentait à l'époque une entreprise française qui était sur place. Il arrangeait des rendez-vous, il offrait des contacts, il recevait à dîner chez lui. C'était voilà, essentiel pour pouvoir faire ce qu'on avait à faire à l'époque. C'était un rôle de soutien logistique absolument essentiel. Aujourd'hui, dans le contexte singapourien, par exemple, on est plus là pour partager notre expérience, donner des conseils, des choses surtout qu'il faut éviter. On est là plutôt pour les aider à ne pas commettre d'erreurs. Chez BNP Paribas, dans ma zone de responsabilité, donc dans les 10 pays dont je m'occupe, on a entre 25 et 35 VIE. Et pour nous, c'est une ressource très intéressante puisqu'elle est volontaire, disponible, bien formée. Et après leur stage, la plupart du temps, on est en mesure de leur offrir un emploi permanent. Donc en conclusion, n'hésitez pas à nous contacter. Tous ensemble, nous sommes l'équipe de France de l'export. Et nous sommes ici prêts à accueillir toute entreprise française qui a besoin de nos services dans la zone.